Comment ça se passe? Mathilde, c'est la dernière de mes quatre enfants. Et c'est comme si c'est la... C'est une manière de la retenir un peu avec moi. Et ça se passe, c'est dur. Il ne faut pas se voiler la face, c'est très dur parce que des fois, on dirait que je ne suis pas sa mère. Des fois, on dirait que je ne suis pas plus âgée qu'elle. Et pourtant, j'ai un profond respect pour elle, pour ce qu'elle fait, pour son appel. Et je suis là pour ça, en fait. Je suis là pour l'aider à s'accomplir, pour l'aider à entrer dans sa voie, dans sa destinée, dans son appel. Et c'est ça qui me guide, en fait, finalement, et qui fait que je peux supporter beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'est la partie un peu dark, si on peut appeler ça dark, mais c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de fierté, c'est beaucoup de complicité, d'intimité, et une relation vraiment qui est saine, où on peut se parler des choses, et qu'on ne peut pas forcément dans toutes les familles, on ne parle pas aussi facilement, mais je crois qu'avec Mathilde, on a des relations qui sont très ouvertes, très profondes, et on se comprend l'une l'autre. Et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Ah, j'ai plein de trucs, on peut dire plein de choses, mais je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'entreprendre avec sa maman, parce qu'une maman, elle ne vous trahira jamais. Et moi, je sais que ma mère, elle me trahira jamais. En tout cas, je ne sais pas pour vos mamans à vous qui regardent. Mais moi, je sais comment elle est, ma maman. Et je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Je suis vraiment bénie, quoi. Et donc, c'est vrai, je ne suis pas facile à vivre tous les jours. Je le sais. Et parce que ben, j'ai mon caractère, parce que je suis aussi chef d'entreprise comme ma maman. Et donc, quand on est chef d'entreprise, en fait, ça révèle des traits de caractère qu'on ne se connaissait pas nous-mêmes au départ, et donc on se découvre un petit peu. Et donc parfois je peux être un peu dure, je suis très... comme ça quoi. Rentre dedans. Je suis très rentre dedans, et donc parfois ça peut être compliqué, et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de mieux que d'entreprendre avec sa maman, puisque si j'avais un associé, ben, je pense qu'il aurait pété un plomb. Mais ma mère, elle a beaucoup de patience avec moi, donc c'est vraiment une très bonne chose, et moi j'ai de la chance de travailler avec ma maman parce que moi je dis souvent que je connais rien et elle connaît tout. Parce que dans notre métier, moi j'ai pas 30 ans d'expérience dans l'IT et ma mère elle a toute cette expérience là. Et c'est ce qui donne aussi beaucoup de crédit dans ce qu'on fait. Même si j'apprends beaucoup sur le tas et que j'ai beaucoup appris en 2 ans et demi, c'est elle qui... C'est la carte maîtresse de Serena en fait. Et donc voilà, c'est une très bonne chose de travailler avec sa mère et elle me supporte beaucoup. Et c'est bien. Vous avez besoin d'un associé qui vous supporte beaucoup. Ça fait comme ça la camisa, mais ça c'est une fille à peine à gavine. Voilà, on dit de l'eau, on fait à gavine, non, on n'a qu'un an, on est sans eau. Ça y est, l'eau, on va traiter. De on a un coup, ni un coup, ni va de manzana, quoi. Ne qui pas que vous l'ouvrez. Manuana amin'ny lafiny ara-panandry indrindra dia zareo koa no fitaratra misy teny namana anankiray izay hoe fitaratra izany a sady tsy mitsara izany a no tsy mikritika izany fa dia mampiseho anao fotsiny hoe zao no mety ataonao zao no tsy mety ataonao dia eo amin'ny vady aman-janaka ao izany no ahitanao ho anahy manokana izay a hoe inona no mety inona no tsy nentina ataonao na amin'ny sehatriny izany na amin'ny sehatriny dia tena ilaiko be diaibe izay amin'ny asa satria manome an'la fandanjalanjana zany hoe atreto zany azo atao atreto ny tsy azo atao atreto ny faritra tokony hitsaharako rehefa tokony mitsahatra dia hitako hoe manampy anahy be diaibe zany izay zavatra izay fa eo amin'ny sehatry ny asa ohatra an'izao ihany koa raha vao tsy mitombona tsara ianao na any an-tokantrano na dia tsy mety mitombona koa ianao aty amin'ny asa satria mifandray foana izany ireo zavatra ireo hoe tsy ahita vokatra mihitsy ianao raha ohatra ka niala tany an-trano ianao mikirotana be dia ohatran'izay ihany koa raha afa ty ampiasana koa ianao mikirotana be ny saina miditra ny trano dia raha tsy hainao mandanjalanja izay dia lasa ny ao an-tokantrano no miaritra ny fahatezerana rehetrarehetra sy ny frustration anao avy ty ampiasana izany hoe mila misy fandanjalanjana be diaibe izany izay zavatra izay.
Kebiou, on l'a commencé ensemble avec mon mari et mes enfants, donc tout le monde a mis les mains à la pâte. Même ce local, en ce temps-là, c'était un atelier de métallurgie et on a tout rénové nous-mêmes, ensemble avec mes enfants, mon mari. Et je pense que vraiment, c'est plus, je dirais pas balancer, mais vraiment intégrer la famille dans sa vie entrepreneuriale. Et ça, c'est très important que tout le monde en fait partie. Bon, c'est vrai, mes enfants, ils vont à l'école, mais le samedi, par exemple, ils sont là avec nous. Il y a mes filles qui participent également à mes formations et tout ça. Mais bon, de manière générale, en fait, je pense que c'est la façon de gérer son temps. J'ai du temps pour ma famille et du temps pour mon entreprise, mais en même temps, je dis que c'est plus de l'intégration que de la balance ou de l'équilibre. Donc tout le monde, ensemble, dans la vie de tous les jours, dans la vie entrepreneuriale, dans la vie dans les études des enfants et tout ça. Pratiquement, je suis ici pendant la semaine, mais samedi et dimanche, c'est plus des occasions d'être en famille. Funza tena mbola de tena niasa tena mbola pernasa nandiso kely tena kianya. Aty ny fotoana ohatra ohatra ny la tany maivalanja ko izay tena zaka fianaka fiko ohatra ty difotra tany amin'ny zavatra toko tany a. Tena tsisy tany mipetrahako mihitsy satria akoatra ny fahatana an'ilay ilay tafita tamin'ny fotoanandrony a kanefa ny dia mandeha foana ohatra hoe tonga ny farany herinandro a dia misy fihetsiketsehana ara-panatanjahantena na teo Antananarivo na tany amin'ny faritra ohatra dia andeha foana tamin'ireny ohatra hoe misy zavatra atao any ohatra hoe toromangeta be any Toliara ohatra zaka judo dia lasa makany. Ary anao misy fotoana dia mandeha amin'ireny foana zany dia andeha nandona mafy dia mafy zay zany hoe anaika zany hoe misy vo tamin'izany fotoana zany a tsy voalanjalanja tsara dia resaka hoe ara-pianakaviana sy arakasa tatoireo zany dia voatery a nanitsi kely ny diako mihitsy aho satria iveriko hoe tena tsy mety mihitsy zany le hoe any miasa foana ny fiainanao fa adininao ny fianakavianao satria fa taro fantonao zany nanakafanapa-kevitra hoe nanambady niteraka dia adidinao a ny fianakavianao ro zanakao ny vadinao dia tsy maintsy voatery zany voatery nandamo matsikelikely an'izay a dia hitako hoe mety reo zany akehitreo efa mety tsara zany izy reo zany efavotaonao hitako hoe mety tsara tia efa vitako tsara ny manalana tsara zany a ny hoe mba tsisy tanira ny fiainam-panakaviana sy ny fiaina arakasa. Maliko an'izay fanontaniana izay araka ny teneniko teo hoe aiza ho aiza tsy orinasako vao voalohany fa nisy orinasa roa tao alohany tao amin'ilay tao alohany angamba ilay vie privé tsy miexiste mihitsiny tsisy vie social total mihitsiny ianao satria tsisy fotoana e tatio aoriana mba efa maivamaivana ilay izy zany hoe tsy manao 90 heures par semaine tsony fa eny ataoko hoe telo volana angamba zay miezaka tsy manao an'ilay 90 heures par semaine tsony satria miasa dia fotoana ny anahy ohatrany hoe sabotsy maraina ny anahy réserveko ho an'ny zanako tsy ilay vadiko a fa ilay zanako dia miezaka mametraka tsikelikely amin'izay zany satria aleo miasa be miasa tsara dia mbola tanora toy izay rehefa antitrantitra zay vao hoe amonotena be.